On dit que le paradis est sur la terre ferme, que le purgatoire est sur une île, et que l'enfer est en haute mer. Celui-là, on l'appelle l'enfer des enfers. La mer rêve de le démolir depuis toujours, mais il n'y peut rien. Le monstre résiste. Loïc, votre nouvel assistant. Qu'est-ce qui est arrivé à ta face? La guerre. Encore une gueule cassée. C'est tout ce qu'ils trouvent pour m'envoyer dans les jambes. On m'avait averti que le vieux était fou, mais je le pensais pas mauvais de même. 30 ans sans jamais quitter son caillou. Faut pas être normal. Gardien de phare, un travail paisible et sans grands efforts en reconnaissance de vos sacrifices pour la nation. Nous espérons que cette nouvelle vocation saura vous plaire et contribuera à votre réinsertion dans la société civile. Que Dieu vous garde. Aller aussi loin. Pour aller nulle part. Au moins ici, j'ai plus rien à perdre. La lanterne. Le sanctuaire interdit du vieux. Toutes ces années à répéter le même rituel. Dans la nuit, la brume et la tempête. Aucun assistant n'a pu le supporter jusqu'à maintenant. Nombre de marches. 118. Accroche-toi! Litre d'huile par nuit, 4. Renverse-en pas une goutte. C'est précieux. Tour de manivelle, 100. 3 fois par nuit. D'une aère beauté. Morlaix me donne aucun répit. Même quand le phare ne tourne plus. Mais au sixième jour, elle est arrivée. La vieille ennemie de Morlaix. La tempête. Ça va durer longtemps? On sait jamais. Des jours. Peut-être des semaines. Le feu. On l'était jamais. Jamais! À soir, tu
qui vont garder le feu. Tout seul. Mais je suis pas prêt. J'ai pas le choix. Le vieux me laisse veiller sans feu. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'enfer. Les jours s'enchaînent sans que la tempête nous laisse de répit. L'humidité est totale. La moisissure se répand comme une infection. Quand Morlaix n'est pas enfermé dans sa chambre, il cherche un signe de vie ou de mort dans la tourmente. De flore. Je le savais. Depuis l'autre soir, je suis hanté par le mystère de sa chambre. À qui le vieux peut-il bien parler? Vous êtes fou? Ce n'est pas de ma faute. Je l'aime. Quoi? Tu peux pas comprendre. C'est qui, elle? C'est Laure. Ma belle noyée. Le vieux m'a tout confessé. Sa belle noyée. Il l'a trouvé un jour sur les récifs, comme si la mère lui avait envoyé un cadeau d'amour. Un trésor qu'il n'a pas voulu laisser partir, malgré les odeurs de la mort. Depuis, c'est le mariage parfait. Leur cathédrale, c'est l'enfer, le seul endroit au monde qui peut accueillir un tel non-sens. Jamais fait ça. Qui ça? L'Ankou. L'Ankou. Les vieux marins au regard noyé m'ont souvent parlé de lui. Un messager de la mort qui entraîne les naufragés vers les profondeurs. Qu'est-ce qu'il veut? Il va revenir. Je dois rien aux vieux. Mais face à la mort, j'ai choisi mon camp. Celui des vivants. Ça devrait tenir. Les provisions baissent. Mais Morlaix nous rationne durement. L'état de siège pourrait durer longtemps. Ils viendront pas nous ravitailler. Ni aujourd'hui, ni demain. Ça serait du suicide. Jamais loin. Ces cris nous rendent fous. Morlaix dit que tant qu'il sera dans les parages, la tempête s'en ira pas. Vas-tu finir par comprendre? Aide-moi!
Jedi m'écoute. Excuse-moi, ma belle. Non! Qu'est-ce qui se passe? Maudit démon. Mon cœur. Il me l'a brisé. Ça va aller. Le feu. Laisse-le pas mourir. Ça fait 3 jours que Morlaix est dans le coma. L'Ankou, lui, est parvenu. L'idée de l'acheter à la mer me brûle. Mais j'ai pas le cœur de faire ça au vieux. Monsieur Morlaix. Le feu. Faut que je monte. Du calme. Le feu va bien. J'ai jamais manqué un corps. Personne va le savoir, je vous le promets. Je suis fini. Dites pas ça. Ouais, monte. Tu vas être plus utile en haut qu'ici. Tenir le fort seul est infernal. Mais ça m'aide à pas trop réfléchir. Morlaix est toujours cloué dans son lit. Il veut absolument tenir le coup jusqu'au nouvel an. Demain, c'est le grand soir. Je l'avais gardé pour l'occasion. Merci. C'est moi. Je te remercie, mon gars. Bonne année. Bonne année. Oh, on a un invité. Il vient nous faire ses adieux. On dit que l'Ankou laisse sa place au premier noyer de l'année. Après, il se laisse couler au fond de la mer où son âme tourmentée peut enfin trouver la paix. Le premier noyer. Morlaix et l'or sont partis. La tempête les a emportés avec elle. C'est ce que le vieux voulait. Au revoir, le vieux. J'espère être à la hauteur de l'enfer.